No. 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 Thank you.
No. Chien petite, c'est moi. J'ai suffisamment à penser comme cela sans que tu me fasses en plus sursauter.
Vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils sont tout blancs. Oui, ça m'en a tout l'air. J'ai dû être retenu par des individus très désagréables, venus des ténèbres, ce qui m'a donné une peur bleue. C'est pour cela que je ne t'ai pas rejoint à la chapelle. Mais je vois que tu ne t'es pas ennuyé. Partons d'ici maintenant et allons nous mettre en sécurité. Très bien, jeune fille. Je vais aller jeter un coup d'œil alentour pour trouver un endroit sûr. Ne bouge pas d'ici ou tu risques de tomber sur quelque chose qui fera blanchir tes cheveux à toi aussi. Et personne ne souhaite une chose pareille, n'est-ce pas? Mon père, j'ai trouvé un livre dans le labyrinthe. Alors tu as été faire un tour là-bas aussi. Dieu tout-puissant, ma petite, il va falloir que je t'enchaîne ma parole. Il contient des symboles de protection. Vous pourriez les utiliser? Dieu te bénisse, mon enfant, mais la protection du ciel me suffit. De toute façon, pour que ce diagramme soit d'une quelconque utilité, il faudrait que nous le dessinions sur le sol et que nous nous mettions au centre. Malheureusement, j'ai oublié tous mes crayons de couleur à la maison. Tu me rendrais un grand service en restant où tu es avant de tomber sur quelque chose de bien plus grand que toi. Restez où je suis. D'accord. Thank you.
No.
What?
700 ans, tout seul dans une grange. Les nuits d'hiver ont dû passer à toute allure. Silence, hérétique, ou je vous tranche la tête. Laissez-le tranquille. Cet enfant a de l'esprit. Mais qu'est-ce donc, à l'heure où cette île est couverte des restes d'hommes saints? Mon cadeau à leur âme, pour m'avoir empêché de réclamer l'héritage qui devait être mien. Et cela ne m'étonnerait pas que cet héritage explique, du moins en partie, pourquoi vous marchez et respirez encore alors que vous devriez être mort depuis longtemps. Cet héritage, c'est le cadeau de la vie éternelle, dont le secret se trouve dans un vieux manuscrit, gardé par un vieil abbé et ses disciples. Un manuscrit qui fait couler dans mes veines un sang démoniaque. Je ne suis plus homme, j'ai un pied sur la terre et un pied en enfer. Alors pourquoi rester sur l'île ? Vous êtes venu pour les vacances et êtes tombé amoureux du paysage. Tenez votre langue avant que je ne la coupe. Les fléaux frappent cette île et ses villes habitants. Ce sont eux et leurs vieils abbés qui ont comploté pour m'enfermer dans ce donjon pour l'éternité. Moi, Vladimir Galita, serviteur du premier Kremlin, pourfendeur des Suédois sous Nevski au bord de la Neva, jeté dans cette prison. De l'eau? Vous êtes pris au piège par de l'eau? Les démons ne peuvent traverser l'eau. En effet, la trouvaille de l'abbé avant que je sois transformé. Et toi, petite, tu dois trouver un moyen de consolider ce courant où ton saint homme sera éviscéré et dépecé comme une bête.
Ah.
Et pour la première fois depuis une éternité, je goûte la liberté. N'avez-vous plus peur de moi? Vous êtes parvenu à vos fins aisément, très saint homme. Mais faut-il pour cela que, tel un dieu, je me montre indulgent? Ce serait une bonne chose, mais je n'ai pas peur de quitter cette vie. Oui, je vais vous épargner et vous assurer un destin. Lorsque vous passerez dans l'autre monde, le ciel ne vous accueillera plus, car vous avez libéré un démon. Ma foi me protégera des misérables démons tels que... Mon père! Voilà l'enfant. Je vais lui ôter toute vie en un soir. Le livre dans la bibliothèque. Les noms, et les noms à haute voix. Ascaroth, Aquiel, Arakula, Belial. Bilès, aidez-moi! Continue de lire, tu y es presque. Kemos, Mastifal. Comment est-ce possible? Je m'apprête à frapper, pourtant ne le peux. Bien joué, ma petite. Je dois tout te dire. Le livre que tu as trouvé, je l'ai moi-même cherché en vain. J'en ai donc déduit qu'il était en ta possession. Heureusement, c'était le cas. Mais comment? Lorsque tu prononces le nom d'un démon, tu en deviens maître. Et c'est ce que tu as fait. C'est grâce à ta voix, Lara. Vous brûlerez pour l'éternité! Je devrais vous étouffer dans vos propres entrailles avant de serrer! Oh, la ferme! Que penses-tu de quitter ce triste endroit et d'aller prendre une bonne tasse de thé avec Winston? Ah, j'allais oublier. Peux-tu dire au revoir à notre ami? Retournez d'où vous venez! Tu en auras tiré quelques bonnes leçons, je pense. Tout à fait, mon père. La curiosité a causé sa perte. Elle a suivi son instinct en toute liberté. Et de cela, nous devrions nous réjouir et non pleurer. Mais j'ai peur pour Von Croy. Poursuivant ses démons intérieurs, mené presque à la folie dans la quête de sa dernière demeure, il ne retrouvera pas la paix tant que tout ceci ne sera pas terminé. Ah, la fameuse salle des trophées. Et vous allez devoir activer quelques leviers pour entrer, n'est-ce pas, Winston? Miss Croft aimait ces petits jeux. Et le voici, messieurs. L'artefact qui a entraîné la lutte infernale entre Miss Croft et Von Croy, lutte qui s'est si mal terminée. Très bien, Miss Croft. Votre silence me laisse supposer que vous êtes en place devant les bâtiments de Von Croy Industries, n'est-ce pas?
bâtiment où se trouve l'Iris. Affirmatif. Bon, vous excellez dans ce domaine, n'est-ce pas? Il est temps de passer au toit suivant. Passer au toit suivant? Facile à dire depuis le rez-de-chaussée. Vous ne trouvez pas? On garde son calme, on y va en douceur et tutti quanti, d'accord? Allez ma belle, c'est parti. C'est parti. Là-bas, vous m'entendez? Il ne faut jamais avoir affaire à des Anglais complètement fous. Vous m'entendez? Des Anglais? Wow! C'était une sacrée explosion! Que s'est-il passé? Rien du tout. Yankee, j'entre. J'y suis. D'accord. Voyons ce dont vous êtes capable. Suivez le conduit d'aération jusqu'au couloir central. Vous êtes au 13e étage. Vous n'êtes pas superstitieuse, j'espère. Ce n'est pas à moi que ça va porter malheur. On m'attend à la sortie? Ça, c'est votre affaire, petite. Je ne suis pas un super-héros à mirette à rayon X. J'avais remarqué. Ouh! Vous avez un sens de l'humour à toute épreuve. Souvenez-vous, le silencieux est réglé pour un seul coup. Et moins vous attirerez l'attention, mieux ça vaudra. Compris? Je vous remercie. Mais cette pensée m'a effleuré l'esprit. Je ne faisais que vérifier, ma petite dame. Trêve de bavardage. Contactez-moi si vous voyez quelque chose. Ouh, cette fille a un caractère de cochon. Vous voyez ça? Waouh, bébé, je vois trop de choses de ce genre. Ça a l'air d'une armoire normande sous stéroïdes. Vous voulez me dire ce que ça fait là? Je n'en sais trop rien. Apparemment, c'est VCI qui tente d'élaborer un nouveau vêtement militaire. Et ils en ont bien besoin, croyez-moi. Rien à redire. Et qu'en est-il des armes? Bon, l'image n'est pas très claire, mais on dirait des armes laser à basse fréquence. Elles ont une portée limitée. Mais si elles vous touchent, on vous retrouve à la morgue dans un sac en plastique. J'ai compris. Trouvez-moi un moyen pour éteindre ce système. Non, ne vous mêlez pas de ça. C'est mon affaire. Voilà avec quoi je dois travailler. Attention, miss. Je suis à la fois vos yeux et vos oreilles. Plus les yeux et moins les lèvres. Ce sera parfait.
Trouvez-moi un moyen pour éteindre ce système. Non, ne vous mêlez pas de ça. C'est mon affaire. Voilà avec quoi je dois travailler. Attention, Miss. Je suis à la fois vos yeux et vos oreilles. Plus les yeux et moins les lèvres. Ce sera parfait. Vous voyez ça? Waouh, bébé, je vois trop de choses de ce genre. Ça a l'air d'une armoire normande sous stéroïdes. Vous voulez me dire ce que ça fait là? Je n'en sais trop rien. Apparemment, c'est VCI qui tente d'élaborer un nouveau vêtement militaire. Et ils en ont bien besoin, croyez-moi. Rien à redire. Et qu'en est-il des armes? Bon. L'image n'est pas très claire, mais on dirait des armes laser à basse fréquence. Elles ont une portée limitée. Mais si elles vous touchent, on vous retrouve à la morgue dans un sac en plastique. J'ai compris.
Question. Pour ce qui est de la sécurité de l'entreprise, ils dorment à point fermé. Quelqu'un pourrait s'introduire et voler cette carte d'identité sous son nez. Je veux dire quelqu'un d'agile. Thank you.
Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot.
Éliminer ce mastodonte. Vous avez des suggestions? Quelque chose pour le distraire? Bien sûr. Essayez de trouver une autre sortie, parce que vous ne voulez certainement pas savoir ce qui arrive quand vous mettez une armoire normande hors de ses gonds. Information indispensable, comme toujours. Il n'y a pas d'armure sur le visage, pas vrai? Bon, c'est par là que vous l'aurez. Vous êtes doué, vous allez certainement avoir une idée. Pourquoi je vous emploie exactement? Pour mes excellentes connaissances des systèmes de sécurité et des moyens de les briser, sans parler de ma personnalité si envoûtante, bébé. Vous avez raison, je n'en parlerai pas. No.